Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que une fois de plus, tu nous amènes à te rencontrer par le canal de ta parole. Nous voulons te supplier de préparer nos cœurs à recevoir ce message afin que chacun de nous puisse se préparer pour le jour où il sera couché et attendre ton retour. Bénis ces moments que nous passons, bénis cette famille et permets que cette occasion soit pour nous une méditation qui te rende gloire. Accepte cette prière et pardonne nos fautes. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, enfin, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, que la grâce et la paix de notre Christ soient notre partage. Amen. Les moments pareils sont des moments difficiles parce qu'il faut trouver les mots justes pour amener le cœur à la raison, les mots justes pour réconforter. La question est de savoir est-ce qu'une quelconque parole peut changer la situation. Assurément non. Mais toutefois, la parole de Dieu, qui est la parole de la consolation, a pour objectif de nous amener à une assurance certaine et à tourner nos regards vers l'espérance tant attendue, à savoir le retour de Jésus-Christ, celui qui allait au ciel pour nous préparer des places, celui qui nous a rassuré que il voulait que là où il se trouve, nous y soyons aussi. Comme je l'ai dit hier, c'est une grande bénédiction de se retrouver dans ces lieux. Non, une occasion pour nous de manger et de boire. Comme on attend souvent des rendez-vous, parce que alors que nous nous retrouvons ici pour pleurer, notre père, notre frère, les autres sont là pour essayer de fixer un prochain rendez-vous. On ira manger chez qui prochainement? Mais je pense que notre présence ici est une occasion pour nous de prendre conscience de notre identité et de notre destinée. Jacques chapitre 1, le verset 27 nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions, mais aussi à se détourner de celui de ce monde. Je le répète comme je l'ai dit hier, votre présence ici démontre votre volonté. C'est tellement une volonté active de faire partie de cette église.
sans tâche devant Dieu, qui consiste non seulement à se retrouver dans des milieux de fêtes où on fait l'ambiance, mais aussi d'assister la famille éprouvée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le livre de Job au chapitre 30, le verset 23, il est écrit: car je le sais, tu me mènes après la mort au rendez-vous de tous les vivants. La mort, d'après la parole de Dieu, est le rendez-vous de tous les vivants. L'heure de notre frère, notre chair, a sonné bien sûr, son temps est arrivé. L'heure de se reposer. À quand notre tour? À quand notre rendez-vous? Je pense que l'occasion pour nous est indiquée de prendre conscience afin que s'il nous arrive de trouver la mort dans un voyage, dans un train, dans un véhicule, au champ, au travail, au bureau, que notre rendez-vous soit accepté par le règne céleste. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, car il fonde à notre cri. Chaque jour, c'est vers à ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre. Suivons dans l'étroite voie, ailleurs, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. C'est toi qui as reconnu le repos de ton fils, merci. Ô Seigneur, notre souhait, c'est d'être prêt à ta rencontre. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons gaspillé les opportunités qui nous ont été offertes par ta grâce. Ô Seigneur, reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs, que nous t'avons abandonné d'une manière ou d'une autre, que nous avons fait honte à ton nom. Nous avons vécu selon le train de ce monde, selon les convoitises de ce monde. Nous te supplions, Père Jésus-Christ, de nous aider au pardon de nos péchés, à la rémission de nos offenses. Alors que tu nous as pardonné, Seigneur, nous voulons que tu nous aides à repartir sur de nouvelles bases. Alors que nous sommes en train de dire au revoir à celui que tu as créé, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à prendre conscience afin que tout ce que nous faisons dans notre vie soit pour la gloire de ton nom. Que nos paroles soient les paroles de la sainteté. Nos pensées, les pensées de la sainteté. Nos attitudes, même nos omissions, que tout en nous puisse glorifier ton nom. Alors tu diras de nos bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie de votre maître. Seigneur, bénis donc tous tes enfants qui sont déplacés, par-ci par-là, qui ont emprunté les véhicules, le moto et tout autre moyen de locomotion. Nous te supplions, Seigneur, de bénir tes enfants d'une manière spéciale et de leur donner la grâce de prendre conscience afin qu'on retourne dans leur demeure respective, Seigneur, que ta grâce puisse inonder dans leur vie, que ton onction puisse les accompagner jusqu'à la prise de conscience totale pour la gloire de ton nom. Seigneur, c'est toi qui nous appelles l'ordre de bénir tes enfants. Ô Seigneur, c'est toi qui bénis la vérité, bénis ton peuple. Que l'Éternel vous bénisse donc et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse vivre sa face sur vous, qu'il vous donne la paix. La paix dans votre cœur, la paix dans votre corps, la paix dans vos familles, la paix dans vos études, la paix dans vos entreprises, la paix dans votre lieu de service et la paix avec Christ
afin de se racheter dès à présent et dans tous les siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la nourriture spirituelle que nous venons de recevoir. Nous allons donc prendre la dernière ligne droite. Nous voulons, par ma bouche, dire merci à tous ceux qui sont ici présents. Merci pour tout votre soutien le plus fort. Surtout pour votre présence ici, en ce jour. Que le Dieu en qui j'ai la foi, celui dont la parole est confinée dans la Sainte Bible, qui vous a amené dans notre domicile, vous ramène à bon port. Il vous bénisse tous et bénisse vos familles. Nous disons ceci. Tout à l'heure, quand le bulletin spirituel va refermer le cercueil pour le prendre et l'amener à son dernier domicile, les gens qui vont porter le cercueil, ce sont les notables. C'est leur compère qui est décédé. À vous de porter le cercueil. Je ne vous donne pas une obligation. C'est la loi traditionnelle. C'est à vous de porter le cercueil. Que vous soyez faible ou fort, vous allez le porter. Jusqu'à la dernière demain. Et qui veut dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi sur ta croix, bien t'aime sainte, mon péché. Je ne crains rien.
Serviteur entre tes mains, Père éternel, sois avec nous et reçois-le pour qu'il attende le second retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Lance, papa, mama, Kalia, Ngumia, Ntembe Ngwa, Tumba Ngwa, tout pour moi. Ota. Ça vous le dire. La gueule la vie on a kanda. Tu as ça qu'à magie de ça. Nous sommes bien loin, nan. On peut se dire. Nous sommes à mettre bien la cabine. Vous la mettez à la cabine. Oui. Dans longtemps, vous le calmez. Mettez bien la mienne à bio. Un chien s'en est même fini à mes collègues. Da. Daria. Ok. C'est bon. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Personne ne peut résister à ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Lorsque tu déclares, elle s'accomplit, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Lorsque tu dis, ça s'accomplit. Il n'y a personne qui est comme toi, Jésus. Gloire à toi, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante, papa, et papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante, papa, et papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante, papa, et papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis amour et la chose chose. Chante, papa, papa, c'est toi.
qui dit amour. Et amour. Et la chose s'est penchée. Papa, c'est toi qui dit amour. Et la chose s'est penchée. Yahweh, c'est toi qui dit amour. S'accomplir comme tu l'as fait pour éviter de la forêt à la royauté. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, et papa, c'est toi qui dis un mot, qui dis un mot et la chose. Papa, c'est toi qui dis amour et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis amour, qui dis amour et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis amour et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot. Yahweh, c'est toi qui dis un seul mot. Shiloh, c'est toi. Papa, c'est toi. Yahweh, c'est toi qui dis un mot. Et la chose est encore chantée, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot. Qui dis un mot. Et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis amour. Qui dis amour. Et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis amour. Qui dis amour. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis amour. Oh Jésus, toi qui changes les temps, toi qui pourvois dans le désert, Jéhovah Jireh, ce matin dis un mot. Seigneur, toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Seigneur, ce soir, dis un mot dans la vie. Dis un mot dans la vie de ce peuple, Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Ma vie va changer, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Jésus, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Seigneur, c'est toi qui dis un mot. Et les situations changent. Dis un mot pour que ma situation change. Dis un mot pour que mon ministère change. Dis un mot, papa. Dis un mot, Jésus. Papa, dis un mot. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Yahweh dit un mot, mon histoire changera. Papa dit un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer.
comme tu l'as fait pour David. De la forêt à la royauté, tu es mon, ma vie va changer. Tu es mon, ma vie va changer. Tu es mon, tu es mon, ma vie va changer. Dieu mon, ma vie va changer. Papa, Dieu mon, ma vie va changer. Dieu mon, ma vie va changer. Papa, Dieu mon, ma vie va changer. Dieu mon, ma vie va changer. Dieu mon, ma vie va changer. Oh Jésus, laisse ta puissance couler en nous ce soir, afin de briser les jougs, afin d'ouvrir les portes qui ont été fermées dans nos vies, les portes du mariage, les portes de la fécondité, les portes des diplômes et de l'emploi. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir. C'est pourquoi nous crions à toi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu changes les circonstances. Parce que tu changes les données. Parce que tu transformes les montagnes. Oh Jésus. Gloire à toi, Jésus. Laisse ta puissance descendre.